Ouais, j'ai un hot dog au chili, mais ça devrait le faire. Non, de l'essence. Il va me falloir de l'essence pour aller chercher. Quoi, c'est tout ce qui me reste? Oh putain, faut que je farme du fer et de l'essence. Ah ouais. Là, c'est farm de fer et d'essence. Le fer. Si j'ai souvenir, je crois que j'avais. Ouais, j'en ai ici. Je crois que j'en ai un peu par là. Nitrate. Ouais, je crois qu'elle était là, ma mine de fer. Ouais, mais je vais aller à proximité. Hein. Il y a le Peppermill qui est à côté. Zerkout. Hein. Ça va le faire. Voilà. Je vais déposer ma péteuse. Et bonsoir, Adrien. Comment vas-tu? Arrête de m'appeler monsieur. Appelle-moi Franck, s'il te plaît. T'es mon ancien élève. Tu n'es plus mon élève. C'est plus pareil. Et ça me fait plaisir de te lire, mon garçon. Et bonsoir Mathéo. Très bien et vous? Je vais très bien, je te remercie. Et comment vas-tu Mathéo? Je croyais que tu allais venir que les vendredis et les samedis. Et bonsoir Gavark, comment tu vas ma poule? Couchez Rufus, couchez. Gentil chien. Voilà. Allez, on va essayer de cannibaliser les bagnoles. Absolument. Oui, parfait. Ça va? Tranquille, en vacances. Yes! Monsieur Falcat est en vacances! J'ai survécu, j'ai sorti un livre de psycho. Il a compris que discuter était une option non faisable. Effectivement. Effectivement, tu as bien joué ton coup. On reconnaît là la fourberie du maître. Tu lui as mis le livre dans la gueule. J'avais une vague idée où il aurait pu lui foutre le livre, mon cher Gavark. Alors, attendez, parce que justement, bah, j'ai cannibalisé un moteur, le boc on s'en fout. Ça, je peux pas encore le recycler parce que je suis en train de faire mes pics pour préparer la horde, bien sûr. Alors ça me fait mon bonheur d'avoir un peu d'essence. Alors, est-ce qu'il y a une horde dans les parages? Négatif, allez, c'est parti. On va aller farm du fer. Lumière, parfait. Non, hélas, Gavark, j'aurais bien aimé... T'inquiète pas mon pote, ça va bien se passer. T'aurais dû le faire comme dans Les Inconnus. T'inquiète pas mon pote, la prochaine fois on te rattrape pas. Ah ouais, on te rattrape pas. C'est bien ce que je pensais. Il y a des petits punks. Attends, t'énerve pas moi poule, t'énerve pas, j'arrive. Oh non. Oh là là. Petit con. Parce que j'ai une horde à gérer très prochainement, donc ce serait pas mal. Alors, on est à combien? 1, 2, ouais, j'ai vu pratiquement 3 stacks, ça devrait aller de fer. Ah ouais, j'ai un petit peu pété ma mine. Bon, mais c'est pas grave. Ce sont, et merde, des choses qui arrivent. Monte. Déjà bientôt la horde, oui, le 42e jour, normalement, si je ne me gourre pas. Où est ma péteuse? Oh. Ah mais non, elle est là, putain, j'ai peur. Ok, alors maintenant que j'ai récupéré du fer, je vais la mettre dans la forge, et ensuite on va aller récupérer du schiste bitumeux. Pour faire de l'essence, parce que là je commence à être un peu court. Et ça sera une bonne chose. Stop. Allez, go. Ouais, on est bon. Ouais, on est bon. Voilà, maintenant on est ok. Je vais aller chercher ce qu'il me faut pour l'essence. Alors, si je ne dis pas de bêtises. Nitrate bitumeux. Parfait, c'est par là. €2, Franck, en même temps. Ouais, mais il n'y a pas de petit profit, Falcat. Hein. Je respecte ton choix. Franchement, je respecte. Douche, Franck. Vite. Pourquoi douche? Plaisir partagé, c'est l'unico. Attendez. Le bitumeux. Attendez. Ouais, comme d'hab, je suis paumé. Le schiste bitumeux, ouais j'ai une petite minounette ici. Ah ouais. Ah,
j'ai creusé comme un gros poulpe ici. Ah, bah là, voilà. Ça, c'est très bien. Dans le doute, reboot. Oh non, Crampman. Fallait vraiment la faire, celle-là. Oh putain, ça y est. J'ai un stack. J'ai un stack et je suis au fond de ma mine, moi. Alors, tu me diras, le premier Football Manager, c'était, comment, Sierra qui l'avait édité. Ah, ça pique un peu les yeux, quoi. Hein, c'est sûr. Ah, là, effectivement, on est sur quelque chose de très vieux. Voilà. Où est ma péteuse? Ah, bah, elle est là. Parfait. Oh non. Allez. GFX à F0. Et merde. GFX. Tu peux prendre la barre d'espace, s'il te plaît? À F0. Ah, beaucoup mieux. Et voilà. J'ai peut-être un peu exagéré. 65 000? Peut-être pas. On va partir sur une base assez raisonnable de 30 000. Voilà, je pense que 30 000, ça me paraît pas louf. Voilà, voilà. Je vais ranger ça, ça, ça. Ouais. Sachant qu'il est 18h. Je réfléchis. Parce que je vais être un peu court. Parce que la nuit n'est pas encore tombée. Et tant mieux, d'ailleurs, soit dit en passant. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il me faudrait une porte ici. Hop là. Voilà, et ça, je vais le péter. Où est ma pioche? En plus, il devient sourdingue. Ah ok, ça a l'air sympa. Oui, mais là, ce que tu me vois faire, c'est surtout farmer. Donc, c'est la partie la moins, entre guillemets... Enfin, moi, c'est ce que je considère le moins fun. Je préfère partir en explo. Ah, c'est clairement affiché. Je préfère l'exploration. Voilà. Donc, théoriquement, ils vont passer comme ça. Ouais. Où sont mes pics? Voilà. Donc, on va faire une première rangée ici. Voilà. Et pour le coup, voilà, avec deux frames. Voilà. Comme ça, hop, je les retire avant la horde. Et on est bien, théoriquement. Et comme ça, j'ai plus qu'à redescendre pour réparer ce qu'il y a à réparer. Voyons voir. Ah, c'est du basique, hein, ce que j'ai fait. Hein. Là, on est sur vraiment... c'est quelque chose de pas foufou. Hein. C'est une horde tous les 7 jours. Après, j'ai laissé tout en standard, mon cher Nakanos. Hein. J'ai pas pris d'initiative. Ah, bah super. Et merde. Et voilà, c'est ça qui me dérange, c'est que maintenant, ça cavale. Je l'ai eu, ouais. Ouais, attendez, j'arrive les charlots. Tu crois qu'ils vont passer par ta passerelle? Bah pourquoi pas. Et avant que ça gueule, non, c'est pas du gaspillage. Donc horde dans une heure. Non, c'est demain, c'est 42e jour. Allez, on va récupérer ce que j'ai laissé dans la péteuse. Une petite question, je vais acheter prochainement un PC. Quelle config faut-il pour 7 Day to Die? Moi j'ai pas une config de ouf, après ça dépend ce que t'as pris. Enfin, ce que t'as en tête. Et puis tu vas pas faire que du 7 days, je suppose. Donc, prends quelque chose qui prend un PC correct. Après, je sais qu'il y a Leak qui est présent, il s'y connaît très très bien en PC. Bah, y a beaucoup de gens dans la commu qui s'y connaissent, donc pose-leur la question. Hein. Ils vont te répondre avec grand plaisir pour le coup. Allez, je vais faire la tournée des traders. Je vais faire la tournée des traders, ne serait-ce que pour acheter des bastos. Voir ce qu'ils proposent. Un courrier ou plutôt.
Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris, Fleu. Ok. Tu me l'achèterais pas? Non. Bon, j'ai tenté, ça se tentait. Alors maintenant, on va acheter les Bastos et on va voir ce qu'ils proposent, mais j'en profite pour vous lire. Ah, ben voilà, voilà, là, le mec, il me parle. Oui. Alors, du 44 Magnum, non. Du 9 mm, oui. Des roquettes quéquettes, non. Du 9 mm, oui. Qu'est-ce que tu me proposes? Ça m'intéresse pas, mon ami. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu aurais d'autre? Non. Non. Pièce d'arme. Qu'est-ce que c'est ça? Un fusil de chasse? Non. Non plus. À la limite, non, même pas. Oh, that damn gawking at goods and that's all you buy? Oui, mais ça sert à rien de gueuler, mec. Ok, je vais visionner pour me faire une idée. Bah, je t'en prie, mon cher Sam. Attaque en piqué, c'est sympa cette petite promenade dans Solex. Hein? Oui. Bon, c'est tout de suite distrayant, hein, j'en conviens. Oui, ça fait un bail que j'ai pas foutu les pieds chez lui. Salut Charlot, toujours vivant? C'est bien plus rentable d'acheter les pièces à part, quitte à les faire monter par quelqu'un d'autre. Après, ça reviendra quand même moins cher qu'une config sur Amazon qui généralement ne sont pas incroyables. Oh! Ah, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu me proposes, Coco? Tu m'intéresses pas. Oh, je me suis déplacé pour que dalle. Je suis dégoûté. Y a rien qui m'intéresse. Ouais. Oh, il a vraiment rien de chez rien. Youpi, je me suis déplacé pour que dalle. Va au diable. Allez, je suis chaud patate là. Envoyez la horde. Je suis chaud. Pas de stress, ça va passer. Tu n'as pas mangé, donc pas de chiasse. Ouais, c'est le point positif, ça je peux te l'accorder. Venez ici les petits canards. Voilà, c'est ça. Et merde. C'est pas ce que je voulais. Des balles.
con que les autres. Oh, deux fois, hein, je n'ai pas balancé assez loin. Vous savez, pendant la horde, je ne compte pas. Hein. C'est pas de la mauvaise volonté.
totalement, totalement foireuse, ça j'en conviens. Je m'attendais à ce qu'il passe par le pôle, les pôles, et en fait pas du tout. Dans l'os le plus total. Et ça, ça ne m'arrange pas. Mais non, je vais pas tomber. Échec, hein. Enfin, c'est un échec. Je suis encore en vie pour le moment. Ah bah, pas pour longtemps. Eh ben, je crois que c'est une victoire. Alors, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Et ça, ça me dérange. Je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Bon, les pics ont tenu, hein. Ça, pour ça, il n'y a pas à négocier. Ça a tenu la route. La base a tenu. Même si c'était un peu short pétrole. Donc, je vais pas me mettre à hurler à la mort. On est sur quelque chose de correct. J'aurais préféré autre chose, mais bon. On peut pas obtenir tout ce qu'on veut dans les lois de l'univers. J'essaie de comprendre pourquoi ils ne sont pas passés par le pôle. J'aurais dû peut-être bétonner comme un fou furieux. Tous les pourtours. Pour les canaliser, en fait. Quoique, après, ça me va aussi. Parce que je pourrais mettre des rampes ici. Et j'ai les molotovs, mais à ce moment-là, il faudrait que je crée tellement de molotovs. Ça serait ouf d'en créer autant. Attendez, je vous lis dans deux petites secondes, les loulous. Évidemment, je finis le loot. Et je vais retourner tranquillou à la base. Comme à la foire du trône, à la chaîne de canard.
Il n'y a même pas un trou dans ces murs. Non, il n'y a pas un trou. Si vous faites attention, elle a reçu des pets, mais elle a tenu le choc. Mon chat, il y a Unlucky qui te dit une nuit et qui te fait des bisous. Oh, des gros bisous, ma chère Unlucky. Des gros bisous. Et repose-toi bien, ma puce.